Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un What I Eat in a Day. On va pas se mentir, ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. On me voit souvent faire des 24 heures, Starbucks, des 24 heures, tout ce que vous voulez. Mais effectivement, vous me l'avez beaucoup demandé, vous ne voyez pas vraiment ce que je mange tous les jours. Donc je viens juste de me réveiller. Je suis en pyjama et je vais vous montrer ce que je prends pour le petit déj, parce que en ce moment je prends des petits déj. Franchement, j'ai mes phases, j'ai 100% des phases. Clairement, je pourrais vous faire des What I Eat in a Day tous les mois, je pense, parce que je change tout le temps. Pour le petit déjeuner, en ce moment, vous le savez, je suis très matcha. J'allais beaucoup chez Starbucks, sauf que là j'en ai reçu. Alors, il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo, juste j'en ai reçu de la part de la marque Anatai Matcha. Donc, je vais m'en faire un. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déménagé. D'ailleurs, c'est la première vraie vidéo depuis que j'ai déménagé, donc je suis contente. Il me reste des trucs dans l'autre appart, comme par exemple mes verres, mes tasses. Donc je n'ai pas de tasse, j'ai juste un truc, je vous montre, j'ai ça. C'est un truc qui vient de chez Starbucks d'ailleurs. En fait, depuis quelques mois, non, depuis 2 mois je pense. Alors je le fais plus depuis une semaine parce que il fait trop chaud. Tous les matins en fait, comme j'en avais marre dans mon ancien appartement, il fallait vraiment que je m'aère l'esprit avant de travailler, parce que ça devenait très très dur de travailler chez moi. Tous les matins, dès que je me réveillais, j'allais faire un tour. Sauf que j'arrive pas à aller faire un tour pour aller faire un tour, genre sans but. J'aime trop le matcha et je me suis dit bon bah voilà, comme ça me forcera à sortir tous les matins, je cherche mon matcha, je rentre et voilà. Donc du coup, c'était ça ma résolution, c'est d'été, de toujours sortir avant de travailler. Sauf que le matcha au Starbucks, bah au bout d'un moment, ça coûte très cher si tu fais ça tous les jours. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que à la maison, je vais me faire mon matcha, je vais sortir avec mon petit truc comme ça, et mon but, vu que j'arrive pas à sortir sans but, c'est de tout boire. Quand j'aurai tout bu, je rentre, voilà. Sauf que là il fait trop chaud pour rentrer, mais je vais quand même me le faire, enfin pour rentrer, pour sortir. Donc le matcha, il faut un fouet à matcha. Je sais que le matcha, ça fait pas l'unanimité auprès de tout le monde, mais bon, un peu d'eau. Le fouet. D'ailleurs, je fais rarement ça, mais comme j'avais pris la décision d'arrêter d'aller chez Starbucks, je me suis dit, je vais acheter du matcha. Et en fait, j'ai pensé au matcha Anatai parce que tout le monde en parle. Du coup, on les a contactés pour savoir s'ils voulaient bien m'en envoyer pour que moi aussi je puisse le tester. Et j'étais trop contente parce qu'ils ont accepté et ils m'ont donné un code promo. Comme je vous dis, c'est pas du tout sponsorisé. Ils m'ont donné un code promo pour vous. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je le mettrai en barre d'infos. Mais je suis trop contente. Une fois qu'on a notre mixture, je le verse, je lave. Moi je prends du lait d'amande, sauf que là c'est intense et en fait le intense il prend un peu trop le dessus sur le goût. Donc la prochaine fois je prendrai du normal. Et wow, voilà ce que ça donne. On peut passer à la nourriture. Je goûte quand même. Petit déj en ce moment, c'est très simple. Je prends du yaourt grec et regardez, ouh, des petits fruits. Dans le yaourt. Et voilà, le petit déj. Je vais boire, manger en regardant mes notifications, mes mails, blablabla. Je vais vous faire un update sur ma vie. C'est l'anniversaire de Jérémy le jour où cette vidéo sort. Miso s'est opéré aujourd'hui pour de vrai. Pas dimanche, mais vraiment aujourd'hui. On va lui retirer des dents parce qu'elles sont infectées. Pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, Miso c'est mon chat. Et on va le castrer parce qu'il fait des petites bêtises. Quoi d'autre? Je pars dans le sud à la fin du mois pour rejoindre mon père, donc à Cannes. Et j'y reste 2 semaines. Donc vous aurez du contenu qui sera différent. Je serai pas chez moi. Ça va être cool. Et le reste, on verra plus tard. Tout ce que j'avais à dire. Et vous, comment ça va en ce moment? Vous me dites même pas. Bon, ça y est, j'ai terminé de manger. Du coup, je vais aller me doucher, puis je vais travailler. Et donc, on se retrouve ce midi. A tout à l'heure. Coucou, on est le midi. Je suis en train de finir de me préparer. Je vous annonce d'avance qu'on va manger parce que je dois aller faire quelques courses. Je suis désolée, le spot, j'ai pas eu le temps de l'enlever parce que si je me mets là, la lumière c'est pas ouf. Je vais manger des toasts d'avocat, rien de plus simple. Mais en ce moment j'adore m'en faire parce que c'est rapide, ça demande pas trop de cuisine, enfin pas trop de trucs de fou. Donc j'adore. Et il me faut du pain parce que j'en ai plus. Donc je vais aller à la boulangerie et normalement en fait je mets de la roquette aussi sur mes toasts, sauf que j'ai pas envie d'aller faire des courses juste pour ça. Donc ce sera sans roquette. Je suis prête. Je vais chercher mes toasts, enfin mon pain. Ouh, j'ai du pain. It's time for the avocado. Donc avocat, bacon, œuf, tomate. Et le tour est joué. J'ai un peu honte. J'avais pas envie de tomate finalement, donc j'ai pas mis de tomate. Sauf qu'il y a beaucoup trop de bacon. J'ai trop honte, il y a trop de bacon, mais j'aime trop ça. Bon voilà,
mon petit repas. C'est un peu léger, mais vous inquiétez pas, comptez sur moi pour aller prendre un petit goûter tout à l'heure, en sachant qu'il est 14h30, donc c'est dans pas très longtemps, comme d'hab. Et bien évidemment, je vais me poser et regarder Grey's Anatomy. J'ai fini Desperate, donc du coup je passe à Grey's Anatomy. Je regarde ça toujours en mangeant. Voyons voir si c'est un œuf dégoulinant. Oh, oui. Oh oui, allez Grey's Anatomy, me voilà. Je viens de terminer de manger. Bon, j'avoue, c'était un peu léger. D'habitude, en fait, j'en fais plus. Mais là, il y avait la moitié de l'avocat qui était plus bon. J'ai pas énormément mangé, mais franchement, en fait, j'ai mangé à ma faim et je mange jamais à ma faim. En fait, je mange toujours beaucoup trop parce que j'aime trop la nourriture. En tout cas, j'aime trop faire des toasts d'avocat. J'avoue que en ce moment, j'ai ma phase toast d'avocat. Je sais pas. Je fais pas énormément de courses parce que je sais que je vais bientôt partir. Il y a eu le déménagement, donc j'ai énormément mangé dehors. Et c'est vrai que les toasts d'avocat, bah, c'est assez simple puisque j'ai juste allé acheter du pain, des avocats, et puis voilà quoi. Écoutez. Je te dis à tout à l'heure, je vais faire du montage dans mon lit. Ah, il est 16h20, on va récupérer Miso à 17h et du coup je vais prendre un goûter avant et je vais rejoindre Jérémy. On va y aller ensemble parce que franchement j'ai la boule au ventre. Et aujourd'hui c'est le premier jour sans masque dehors, croyez-moi, je suis heureuse. Salut. J'ai pris des Paris-Brest. C'est les seuls Paris-Brest du monde qui ressemblent à des éclairs. Dans ton lit, c'est un truc de ouf. Sur toutes les vidéos, je te sers au lit en direct. On dirait que tu fais que dormir. Mais ça tombe toujours au même moment. En vrai, t'es jamais dans ton lit. Sympa cette veine sur mon front qui me donne l'impression d'avoir 45 ans. Je suis rate. Je t'ai dit, je suis en stress là. J'ai envie d'aller chercher Miso, j'en ai marre. Pour votre information, j'ai prévu d'acheter une table pour chez moi. Il y a une quantité de crème. Ouais. Je sais pas quand est-ce que je l'achète, mais il m'en faudra une un jour ou l'autre. Parce qu'il faut que j'arrête de manger par terre. Ça fait des années que je mange par terre. Mais c'est trop confortable. Il est bien plus tard. La bonne nouvelle, c'est que Miso va très bien. Regardez. Du coup, pour ce soir, on dirait un monstre avec le contre-jour. Étant donné que j'ai quand même pas grand chose à manger chez moi vu que j'ai pas de courses, pour ce soir, on va manger ce que je mange 50% du temps. 50% du temps, je mange un poké. 50% de l'autre temps, je mange libanais. Ce soir, j'ai choisi libanais. On va aller acheter à manger et je vais rentrer à la maison pour manger. Super. Super. Et je vais mettre un truc parce que ça, oulala, c'est comme si j'étais nue dans la rue pour les gens. Du coup, ça me fatigue et comme je dois aller assez loin à pied, on va s'habiller. C'est mon sweat. Je vais dire bonjour, je peux avoir du tarama. À demain. Oh, j'aimerais trop qu'ils sentent la caméra. Vas-y, sens. Il pleut. Je suis rentrée, je suis en sueur. J'ai très chaud, mais je vais manger libanais donc. Pas de problème. Alors, je vous fais un haul du tarama. C'est une addiction. J'ai une phase tarama excessive. Nous avons un truc de shawarma poulet. C'est extrêmement bon. Et nous avons évidemment du bon pain. Enfin bref. Je mets une Grey's Anatomy. Faut qu'on se retrouve pour le dessert. C'est pas fini cette journée. Previously on Grey's Anatomy. Allô. Oh ouais mon chat, j'ai une trop mauvaise nouvelle. Quoi? Tout mon rendez-vous est annulé, je crois. Non. Putain, non, annulé. Oh non. Oh là là. Je vous explique, je sais pas si vous connaissez le festival Tomorrowland en Belgique. C'est genre le festival. Jérémy, ça fait des années, des années, des années qu'il y va. C'est sa plus grande passion dans la vie. C'est beaucoup d'électro, etc. Moi j'adore l'électro. J'étais allée la première année quand on était ensemble, en 2019. Il m'avait dit tu vas voir, ça va changer ta vie et tout. Et moi je disais ouais, faut être un penseur quand même. C'est un festival de 3 jours, tu vois. Et en fait, il se passe un truc là-bas, c'est inexplicable. C'est de genre 11h du matin, je sais même plus. De 11h du matin à minuit. Et il se passe un truc complètement fou. T'es vraiment dans un autre monde. Et donc l'année dernière, on avait évidemment des places parce que t'achètes les places bien en avance. C'est un festival qui coûte honnêtement très cher. Donc c'est vraiment une expérience. Nous on avait pris nos places il y a longtemps pour l'année dernière, qui ont été évidemment repoussées à cause de ce qui se passe en ce moment à cette année. Et cette année ça devait être ultra ultra positif. Et Jérémy toute sa vie il a toujours fait le premier week-end. Il a toujours voulu faire le week-end 2 mais il n'y avait jamais personne. Donc en fait pour son anniversaire, et je peux vous le dire parce que cette vidéo sort le jour de son anniversaire donc il saura, j'avais pris week-end 2. Donc je les ai pris il y a littéralement 2 jours et aujourd'hui on m'annonce que c'est annulé. Je ne sais pas à quoi vous dire. Je suis retournée à ma série. Je vais manger un petit peu de sucre. Des baklawa, mais en fait j'ai trop le seum parce qu'il s'est trompé. Normalement je prends des trucs ronds et là c'est pas rond. Je vais voir si c'est la même chose. Normalement je prends noisette, amande. Non c'est pas tout à fait pareil. J'en ai deux plus un loukoum. Je crois que c'est un loukoum. Il y
qui m'a offert en cadeau parce qu'il s'était trompé la dernière fois. Sauf que c'est retrompé aujourd'hui. Comment ça a pu couler? Oh non, il est tout neuf, mon canapé. J'ai jamais goûté de ma vie. C'est super bon. C'est extrêmement bon. Je suis choquée. Je vais pas me remettre. Je ne vais pas me remettre. Je vais mourir d'une surdose de sucre. Mais ça va pas m'empêcher de manger le dernier devant Grey's Anatomy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait. Je suis active tous les jours, bien évidemment. Et je poste 2 vidéos par semaine sur YouTube. Une le mercredi, une le dimanche. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications, car comme ça vous ratez pas de vidéo. C'est plutôt cool. C'était très cool de faire cette vidéo What I Eat in a Day. Comme ça vous voyez un petit peu ce que je mange dans ma journée, parce que c'est vrai que vous me posez pas mal de questions par rapport à ça. Voilà, sachez que je mange pas ça tous les jours, hein. Il y a forcément des changements, mais c'est vrai que je mange ça relativement souvent en ce moment, puisque je suis dans une période un peu où j'ai pas trop le temps de cuisiner, etc. Donc voilà pour mon petit What I Eat in a Day. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.